retour maison. Ça, je vais tourner le dos. Hop, allez. À la maison, à Paris, ici, monsieur, c'est la côte basque. Allez. Voilà, merci Greg MMA, Karate Bushido, merci. On vous le renvoie. Qu'est-ce qui t'arrive, je vais te casser la gueule. On est quand là? Ah ouais, c'est bientôt juillet-août, donc nickel pour partir en vacances, tu prends ça mon pote? Télécharger Red Shadow Legend. Tu fais Paris-Bayonne? Bah ça le temps passe vite, hein, c'est ce que je te dis. J'ai déjà eu 25 millions de téléchargements. 10 milliards de batailles qui ont été déjà effectuées. Je suis en train de défoncer de l'orque. Bah moi ce qui me fait délirer avec Red Shadow, c'est que ça me rappelle mon enfance, hein, comme je vous avais déjà dit l'autre fois dans une autre vidéo. Quand je joue à Donjons Dragon, c'est un peu le même délire, j'aime bien tout ce qui est Heroic Fantasy. Et au moins là je gagne un peu mes combats. Hein. Tu peux jouer à plusieurs. Hein. Tel ton petit frère, tu joues avec lui. Il y a le satellite. Quoi. Si vous n'avez pas d'amis dans la vraie vie, là vous en avez. Moi j'aime bien prendre les gros bourrins. Donc tu peux jouer sur PC ou sur tablette. Tout en gardant le même compte. Tu défonces tout le monde, hein, comme à l'entraînement. Il y a tellement de gens qui jouent que tu peux trouver plein d'informations sur différents supports, type YouTube, Reddit, même Discord. Pour apprendre les astuces du jeu ou juste pour t'aider à choisir ton champion. Donc vous téléchargez Red Shadow Legends, vous inscrivez, puis si vous êtes nouveau, vous obtiendrez 100 000 argent et un nouveau champion, les chauds bouillants, Jotun. Tout ce trésor vous attendra ici. Bah là, je vais aller voir Thomas Loubersan. Donc, petite victoire en apportant une autre. Voilà, voilà. J'ai encore un peu de trajet. Donc, ce que je vais faire. Ah, la souplesse, hein. Je vais continuer à jouer à mon petit Red Shadow Legend. Tranquillou. Ah, mon bras. Ah, j'y arrive plus. La souplesse, les arts martiaux. La voix de la souplesse. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ah, merci Thomas. Salut, ça va, t'es en forme? Ça va bien. Putain, bah ça fait 5 mois que je suis là-dedans, hein. Ah, mais je t'attends depuis qu'on devait la faire la vidéo. Bah, le temps que ça guérisse, frère. Hein. Voilà. J'aurais pu faire du vitesse. C'est bon, c'est guéri. Bon. Bon, les gars, je vous présente Thomas Loubersan. Loubersan ou Loubersan? Loubersan, on le prononce comme ça. Loubersan. Bah, je suis au Pays Basque, magnifique pays. Et puis, il paraît qu'il y a des petits gars qui sont pas trop mauvais en grappling. Donc, on m'a dit. Bah va, il y a Thomas qui est pas mal. Alors moi je fais, ramenez-le-moi. Puis après j'ai regardé son palmarès. Bon, j'ai été changer ma couche, normal. Parce que bon, il a un gros palmarès. Alors ça c'est Thomas Loubersan. C'est les champions du monde, un des top mondiaux au niveau grappling. T'es numéro 1, IBBGF. IBJJF en anglais. IBJJF. Présente-toi un petit peu. Thomas Loubersan, pratiquant de grappling, lutte à livrer comme racine, et actuellement numéro 1 ranking IBJJF Nogi en black belt adulte. Après, j'ai gagné des choses comme le Grappler Quest, champion du monde Naga et ainsi de suite. Donc, il me rappelle un petit peu Paolo Filo, qui m'avait bien laté. Un mec plutôt petit et comme ça, quoi, c'est un cube. Pour une reprise. Je te dis qu'il y a normalement il y a des reprises qui sont un peu plus cool. Normalement, bon, tu commences avec un mec, et, bah, comme dans mes vidéos d'habitude. Moi, j'adore quand ils sont tout petits, qu'ils font 20 kilos. Ça, je peux voir le dessus. Là, je t'avoue que ça va être compliqué. Bon, il t'en reste un bras, ça va. Ah, mais même avec zéro bras, je te latte. Tu sais, les gens, tu sais ce qu'ils attendent, c'est que tu me tordes. Parce qu'à chaque fois, je domine les mecs au sol. En boxe, je me fais tartiner. D'ailleurs, tu veux pas faire de boxe. Non, moi je reste à mon domaine. Il a dit non. Ça a fait longtemps. Parce que je m'étais dit, ah putain, je vais pouvoir montrer un petit peu que je sais boxer. Mais non, bah, c'est normal après tout. Mais faut savoir que... Bah viens voir Thomas. Faut savoir, bah là on est au MMA Factory, à Urun. On prononce comme ça? Ouais, c'est une antenne. Le professeur ici, le patron, c'est Johan Segas. Je m'entraîne actuellement ici avec Johan. Il y a aussi Slim, un champion de France lourd qui est ici actuellement. Et on s'entraîne ici pour l'instant. On redéconfile, on va dire. On à huis clos, on se rentraîne vraiment à 2-3, pas plus. Oui, confinement, j'ai compris qu'ici, c'était pas. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est, il est particulier. Alors. Donc voilà le maître des lieux. Enfin. Ouais. Mais je t'ai déjà vu, c'était sur. Une vidéo de Karate Bushido, c'était pas toi? Ouais, c'est ça. Qui souriait jamais?
Oui, exact. T'as une souris? Hey, on va en faire un poster là parce que c'est très rare. Hein. Et puis t'avais combattu aussi, c'était toi qui avais fait le... Parce que l'autre fois je t'ai vu mais j'avais pas tité. Qui a fait le combat, le mec qui fait du breakdance. Exact. Le mec il a fait le malin mais il a pris une gifle par la vie, puis il a fait dodo. Tu nous fais visiter vite fait? Ouais. Donc petit espace spécifique ring en bas. Ouais. Doucement les gars, mon cardio il est pas ouf. Non, pendant le confinement, j'ai fait mon cardio, les gars. Je me suis blessé, j'ai fait mon cardio. J'arrivais au moins à courir 2 km sans être essoufflé. Chaud. Hein. Ah ouais, magnifique. Non, c'est stylé. Hein. Combien d'élèves ici? Bah, avant le confinement, il était à 200. 200. Ouais. C'est énorme. Non, génial. Très belle salle. Entouré de montagnes. Ouais. Entouré de montagnes. Non, le Pays Basque, super. Puis je te raconte pas si tu dis une merde sur le Pays Basque. T'es pas bien. Là, pour le coup, le coffre, t'y es vraiment. Quoi, hein. Ah, mais du piment d'espérette. Oui. Non, super. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, moi, c'est ma reprise. Vous avez vu, j'ai mis ça. Ça, c'est pour faire genre, si je perds, et je vais perdre. Attendez. Ah oui, bah, oui. Moi, j'ai fait comme toi. Je me suis dit, c'est vrai. Greg, il va mettre un truc. Je suis solidaire. Putain, mais j'ai plus d'excuses. Eh oui. Parce que tu t'es flingué le rotateur. Ouais, sur les compétitions les dernières, sur les derniers tournois, j'avais le long biceps et le sous-épineux inflammé. J'ai dû faire 2 tournois avec. Et ouais, j'ai encore un petit peu de... De toute façon, on vous montrera des images de ces combats. C'est très impressionnant. Hein. C'est un pitbull. T'avais tourné avec quel Brésilien qui était très fort, là? C'était... Ah, j'en ai pris. À l'entraînement, là, qui... Comment c'est, lui? Ah, Barbosa, Galvao. J'étais à Chatos, ouais, avec un Cornelius, du RT, tout ça. Et tu leur tires à la bourre ou tu les battais? Ouais, voilà, c'est de l'entraînement, mais mon style, il est perturbé, on va dire, ouais. Je suis pas vraiment jujite, ils ont une racine très jujite, moi j'arrive avec une différence, donc ouais, je les perturbais. Ouais. Toi, c'est plus lutte, grappling à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est lutte, les top positions, on va dire, j'étais quand même dominant. C'est très serré, mais j'arrivais quand même à les emmerder, ouais. Galvao, tu arrivais à le dominer? Ouais, enfin, bon, bah, coupé, moi je vais y aller. Ça sert après, à rien en fait. Si je suis dans les positions vraiment jugées, du coup on sent qu'il y a un danger qui s'inverse. Ouais. Ouais. On sent que voilà, eux ils sont dans le dos, si je suis dessous, ça, il y a vraiment là ça s'inverse. Mais quand j'arrive à rester dans mon jeu, ouais, c'était largement faisable. Sympa pour la reprise, hein. Ça aurait pu être Ngannou, ça aurait été tout aussi sympathique. Bah, d'ailleurs, tu étais partenaire de Ngannou? Tu l'as préparé? Pendant un an et demi, j'étais le prof à grappling à OMA Factory, il y avait Francis. J'ai été son partenaire pendant 2 ou 3 combats, j'étais son partenaire à Lutsol. Voilà. Non, bah, y a une grosse équipe ici dans le sud. Comment ça se fait? Il y a un microcosme. Il y a des bons un peu partout. C'est moins médiatisé peut-être. Ouais, ouais, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai envie de faire un petit peu le tour de France, voir un petit peu les meilleurs quoi, dans chaque région. Et là, bah, je vous dis, les gars, on a la chance d'avoir pas le meilleur de la région, mais le top mondial de grappling. Bah, il vous a dit les mecs avec qui il a tourné, avec qui il a combattu. C'est des noms qui font rêver, quoi, qui font briller les yeux, qui moi, ça me fait transpirer, par contre. Je sais que je vais prendre cher, mais bon. C'est bon, on est bon. J'ai l'excuse. J'ai l'excuse. Rien à foutre. Non, je vais essayer de te donner du fil à retordre. Je vais leur dire ma stratégie que j'ai envie de faire. Et puis, je crois qu'on va faire 3 minutes, 2 fois 3 minutes. Hein, ce sera suffisant pour qu'ils m'éclatent les cervicales. J'étais chez le kiné il n'y a pas longtemps et... Il va gueuler le kiné, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du kiné à l'envers. Bon, moi je vais faire en sorte que tu repartes alors. Oui, voilà. Ça lui fera un peu de thune pour lui. Ok Thomas, allez, à tout de suite. Allez. À tout de suite. Donc là, on va faire 3 minutes grappling. Je vais essayer de rester debout contre lui. Mais ça ne fait rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te casser la gueule. Il n'entend pas, je m'en fous. Je vais essayer de rester debout. Parce qu'on avait vu une vidéo où j'apprenais à rester debout. Parce que le faire tomber lui, c'est impossible, je vous l'ai tout de suite. Je n'y arriverai pas. Donc, ouais. Pourtant, il a l'air, on dirait un cinglé, là. Mais il est vraiment très fort. Bon, allez, je vais essayer de rester debout. Pas faire trop d'attaques, faire un peu de l'anti-jeu, mais bon. Allez, c'est parti. We'll be right back.
Ah, magnifique amené au sol. Il est parti sur un single leg. Essayez de bouger. J'ai défendu. Il est repassé ici en dessous pour me soulever. Et après, il m'a écrasé le genou pour me mettre par terre. Magnifique. Magnifique. Et après, vous verrez, sur son passage de garde, c'est typique des gars qui sont ramassés. Ramasser, c'est mieux que petit. Bah, moi je peux pas le faire. Mais lui, il peut le faire, il met le genou, il fait en sorte d'avoir le tibia bien vertical. Et moi, ça glisse entre mes jambes et puis il passe quoi. Je fais quelques bonnes défenses où je viens saisir en typique box style, reculer les hanches. Mais bon, bah, au bout d'un moment, c'est un immense champion quoi. Donc ça passe. Thomas, tes impressions? Je savais que ça allait se passer comme ça, dans le principe où t'es un MMA fighter. Donc je sais que c'est solide sur la gérance de distance, sur le timing, sur les sprawls. Donc je savais qu'il fallait que je rentre profondément et j'ai fait une action 2 pour voir un peu ton timing qui était bon. Ça, c'est la qualité d'un MMA fighter. Après, là, quand j'ai amené au sol, là, j'ai essayé de faire attention parce que t'es grand. Donc dans tout ce qui est demi, tout ce qui est garde fermée, faut que je fasse attention de ne pas être trop en avant, d'exposer trop en avant. Pas de prendre la clé de bras ou les clients? Ouais, en fait, ouais. Même s'il y a un danger de clé de bras, c'est surtout que tu vas pouvoir monter après avec les jambes vers le haut. Et moi, je trouvais un déséquilibre. Donc, c'est pas forcément le bras qui est en danger, mais c'est le fait que si je dois ramener, j'ai un moment de déséquilibre qui est possible pour toi. Ouais. Et t'es grand. C'est pour ça qu'après un second temps, j'ai décidé à fermer, rentrer un genou milieu pour retravailler sur ça. Parce que t'as de belles qualités athlétiques. Et tu sais utiliser ton corps. Après, je pense que tu sais que si je suis dessus, ça va être mon jeu. Ouais, je suis tombé dessous. Mais ouais, c'est exactement ce que je m'attendais dans le sens où la qualité des MMA fighters, elle va être sur ce plan-là, très efficace, plus que techniquement un puriste de sol. Ça va être la défense de lutte, c'est solide, le timing, c'est solide, et les positionnements là où il faut aller, le sable. Donc voilà. Bah, tu vas nous remontrer, s'il te plaît, l'amener au sol. Oui, à un moment, j'ai essayé de faire une clé de bras, mais... Il s'est bien dressé, j'ai pas réussi à sortir de l'axe. Ouais, je change de niveau. C'est là où il fallait faire sur les équipes. Ouais, j'ai senti qu'il y avait un moyen, mais il est très très compact. Les gabarits plus petits, c'est difficile à mettre par terre. Je peux pas l'attaquer. Je me vois pas descendre dans ses jambes. Il va me prendre une guillotine. Il va se prôler et je vais m'en trouver en dessous. En grappling pur, il y a rien à faire contre lui. Je peux rien faire. Bah, tu vas nous remontrer, s'il te plaît, l'amener au sol. Je m'en souviens plus trop. Tu te rappelles plus? Non. Bah, tu m'avais single leg. Single leg. J'avais défendu comme ça. Tu m'avais envoyé là-bas, je crois. Ouais, ouais. Et après, je suis venu par ici. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Ouais, bah, je suis plus. Ensuite, j'ai écrasé sur ma jambe. Ah, et après, j'ai descendu. Ouais, oh, et après, j'ai descendu à un niveau. C'est magnifique. Ouais, tu peux me le remontrer? Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que. Dans les sports de combat, c'est pas qu'un truc de brut. Parce que le mec est charpenté. Bien sûr, c'est très puissant. Mais c'est de la très haute technicité. Donc il y a un changement de technique. Parce que moi, ça marche pas. Passe de l'un à l'autre, il change de niveau. Ici, il change l'axe de rotation. Puis il change de technique. Et ce que je fais attention, c'est de ne pas être tombé dans des pures techniques de lutte. Pour la lutte, où il n'y a pas la saisie de tête, où il n'y a pas les étranglements. C'est-à-dire qu'entre le choix de recomposer, de revenir à l'intérieur, de péter, changer d'angle, c'est pour ça que j'aime bien descendre. Parce que je vois que j'ai pas, que j'ai pas ça, je peux faire une descente ici. Parce que ma tête est loin. Ma tête n'est pas dans cette zone ici où entre guillemets tu peux avoir une hélice d'hélicoptère qui te punit la tête. Donc plutôt que de venir ici et de rentrer à l'intérieur, moi j'aime bien changer de niveau et je descends ici. Mais je l'avais jamais vu comme ça, l'amener au sol. Tu écrases le genou avec ta main. C'est surtout mon poids de corps qui descend. Je l'avais jamais vu comme ça. Voilà. Moi, je l'avais toujours vu comme ça. On est là et puis on. Voilà, avec les poils. On change, on s'écrase. Voilà. Voilà. Mais toi, tu enroules. Non, quand je t'amène vers la barre. Regardez bien. Ici. Attends, ouais. Bon. Et il vient bien appuyer ici en fait. En fait, il fait un étranglement arrière et il vient me tasser, me tendre la jambe. Et ça fait une grosse douleur sur le genou. Si je descends pas, ça casse en fait. Et je l'avais jamais vu comme ça. Parce que ton intention de défense, tu penses que je vais là à gauche. Ouais, ça, ouais. Et même parfois je mets ton coup d'épaule pour la gauche et tu descends à droite. Mais tu changes de suite là au sol. Et vraiment. Ouais,
Ouais. Après, contre des gros lutteurs au niveau olympique, ouais, ça passera pas, mais il faut toujours tout réadapter. La boxe, elle est beaucoup plus simple en MMA, et le grappling est plus simple, entre guillemets, MMA. On commence par où ? La boxe en MMA, la boxe pour MMA, par contre, il y a des techniques qui passent pas contre des grands boxeurs, mais qui passent en MMA, qui sont efficaces. Ouais. C'est pareil un peu pour le grappling. C'est-à-dire que les techniques de pure lutte, qui ne passeront pas en lutte olympique, passeront en grappling en fait. C'est pas plus d'ouverture. Ouais, donc il y a des choses parfois assez simples, sans forcément recomposer des trucs de niveau de fou. Juste des changements de niveau au bon moment, ça passe, c'est simple. Donc ça, on vous mettra son amené au sol, on va au ralenti, c'était magnifique. Bon, désolé pour le changement d'image les gars. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout seul, ok? Ok? Donc vous avez intérêt à mettre des pouces bleus déjà. Des pouces bleus pour mon retour, des pouces bleus. Pour Thomas, des pouces bleus parce qu'il m'a cassé la gueule. Et puis ça va guérir plus vite. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais. Quand quelqu'un est en dessous, ce que fait Thomas, c'est excellent. De toute façon, c'est la base, mais retenez ça. Ne laissez pas quelqu'un se mettre sur le flanc. Déjà parce qu'il va pouvoir bien vous casser les noisettes ici, en deep half guard, ou tout simplement vous repousser, hop, ils se redresser. Chose impossible ici, et c'est ce qui. Vas-y, fixe-moi. Voilà. Tout de suite, voilà. Il met l'épaule sur la gorge, ce qui fait que ça me fait vriller ma colonne vertébrale, alors que moi je veux aller absolument dans l'autre sens. Alors là, ce qu'il fait, vous voyez, il fixe ici, et moi je suis comme un con, et le temps, je vais me préoccuper ici, là, à repousser, et lui va ou passer la garde, ou prendre un bras-tête, en étranglement. Ouais, c'est ça qui fait le mot. Donc, pensez à ça, les gars. Là, on va s'en faire un deuxième, nous partons directement du sol. Et j'aimerais être toi sur le dos. C'est possible ou pas? Allez, ouais. Comme ça me laisse un petit avantage. Voilà, je vais... On va voir, ok? Alors, le physique, les amis? J'ai perdu des kilos. Bah parce que mon marchand de stéroïdes, mon marchand d'oméga 3, il était pas là. Donc. Bon, tu mets 3 minutes s'il te plaît?
ça là-haut. Il est fort. Donc il a joué le jeu. De toute façon, il va faire la DCC, la plus grande compétition au monde. Donc il va participer cette année. J'espère qu'il fera ne serait-ce que faire un podium. C'est magnifique. Même aucun Français l'a fait, donc déjà je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. T'as un sponsor ? Cette année, non, je n'en ai pas. Donc le mec n'a pas de sponsor, c'est ridicule. C'est un top athlète. Donc les mecs, réveillez-vous. Mettez votre nom sur lui. Mettez du fric. C'est normal. Non, c'est normal. Alors, il a joué le jeu. On va à la DCC. Tu me dis si je me trompe. Il serait passé en croix. Il serait resté. Là, il a voulu passer à cheval. Quand l'adversaire passe à cheval, quand il change de position, surtout s'il change de niveau, hein, et ben ça crée une opportunité pour moi de revenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le reprendre. Après, je vous avais déjà montré cette technique. Bah ben, c'est avec. C'est d'ailleurs la nana qui fait du judo là, comment ça s'appelle ? Rizlen. Je vous avais montré, vous mettez les pieds sur les hanches pour pousser et vous relever. Et puis même avec la vidéo avec Morgan Charrière, je l'avais fait. Donc c'était un petit gabarit, donc ça avait l'air facile. Là je l'ai fait sur Thomas, je suis content. Pieds aux hanches, tu repousses, tu te relèves vite. Simple et efficace, très bien. C'est simple et efficace. Et vous avez vu que ce qu'il voulait faire absolument, c'était passer les deux mains, les deux jambes, les deux bras, pardon, sous mes cuisses. Et là, mon Dieu, ça aurait été la machine lavée. Ils m'ont renvoyé à droite, à gauche, donc j'ai tout fait pour replacer mon pied à l'intérieur. Ce qui t'a ennuyé. Hein. Ouais, le pied droit. Bon, bah, okay. À un moment, j'ai bien défendu les deux bras sous les aisselles. Quand il est venu dans mes mains, pour me saisir la hanche, c'est de la base. Hein. C'est des petits tirages sur la nuque. En même temps, pour le déséquilibrer, le repousser. Bon, après, c'est assez limite, hein. Le mec a un super timing, il m'a eu. Tes impressions ? Bah, on a mis du rythme. Ouais. C'était deux fois 3 minutes, dans la mine rythme. On a joué le jeu. Moi, je sais qu'il ne faut pas tout sous-estimer. Déjà, en principe, dans le sport, que ce soit combat ou pas, je ne sous-estime pas. Et je mets. Ma manière de respecter, c'est en faisant de l'opposition à quelqu'un. Je savais que tu as du niveau, que ton jeu est simple. Tu viens du MMA, comme j'expliquais tout à l'heure. Comme tu expliques. Le sprawl, le bon moment, les décalages, tout ça. Mais en fait, j'irai même plus loin. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut avoir dans le grapple, dans le no-gi. On ne peut pas être aussi pointilleux qu'en kimono. Donc, les techniques simples marchent avec le physique et le timing, en motion, et pas que la technique. C'est ce que tu as parce que les MMA fighters, ils ont cette notion en plus de combativité, en fait, de bon moment, le timing avec les techniques simples. Donc, c'est jamais un combat simple. Maintenant, si on met plus de time et tout ça, c'est là où on voit la différence. Le mec qui est dans son au niveau domaine physique, parce que voilà, chacun, soit on est en pleine prépa ou pas, ou n'importe quoi, le rythme chacun. Et la particularité, quand le mec est vraiment spécialisé, on va le voir à l'usure. Oui. Mais moi, je m'attendais exactement à ça avec toi. Oui, bah moi aussi, donc. J'ai pris une volée. Et ce que disait Thomas, c'est très judicieux. Ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment juste, le moment opportun. Il ne s'agit pas de connaître des techniques dans le vide, ou des techniques et partenaires, il faut ensuite le faire réagir et avoir l'œil suffisamment efficace pour savoir quand faire la technique. Hein, on vous parle souvent de 3 dimensions, il y en a 4. La quatrième, c'est le temps. Donc il faut être là au bon moment, ce qu'on appelle le kairos chez les Grecs. Et Thomas nous a fait une démonstration ici absolument fabuleuse. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur de le rencontrer. J'avais déjà parlé de lui lors du top 10. Des combattants MMA français de tous les temps. Donc il n'était pas dans le top 10 parce qu'il ne fait pas de MMA. Mais à la fin, on a parlé des grappleurs avec mon ami Gilles Arsène. Et clairement, il fait partie des top 3 grappleurs de tous les temps. Hein, avec justement Samuel Monin et notre ami, le petit Nicolas Régnier. Oui. Puis il y a Thomas Louberzan. Après moi, de mon côté grappleur, il y en a plein. J'ai été honoré d'être dans les 3 nommés. Après, il y a Laurence Cousin qui avait été médaillé. Laurence qui est fabuleuse.
Il y a des gens moi, que j'ai adoré niveau compétition, que je ne connais pas spécialement bien, mais David Pierre-Louis, c'est mon maître. Qui a été, moi, je suis arrivé un peu quand il a fini. Pierre Pilar, qui est en plus un grappling que j'aime bien, un dynamique. Très bien, très technique. Ouais, il y avait une sacrée génération, en tout cas, mon Rachel. Et que vous dire d'autre, les gars me concernant, moi je. Bon, ça va mieux, vous avez vu, j'ai pu quand même forcer un minimum. Au bout d'un moment, mon bras, il a plus de force. Donc ça, c'est normal, il faudra que tu reprennes la patate. La force est ce qui parle le plus vite. D'ailleurs, il y avait eu une vidéo avec Nicolas Hott qui en avait parlé, je vous invite à la regarder aussi. Il parlait de la préparation physique, justement, et du travail nécessaire de force à faire en amont d'une prépa physique. Et après, on transforme tout ça en endurance de force. Il ne s'agit pas d'être fort sur une minute, comme l'a dit Thomas, le mec, je vais l'avoir à l'usure. Donc pareil, il ne faut pas être bon sur une minute, il faut savoir être bon longtemps. Donc ce qui fait que c'est le MMA, le grappling et la boxe en général, c'est des sports qui sont fabuleux, mais qui sont excessivement durs. Surtout qu'on a mis de côté là l'aspect mental, la peur de perdre, la peur de se faire humilier, la peur de la douleur aussi des coups. Donc tout ça, ça fait des arts martiaux quelque chose de fabuleux, et je vous invite à aller dans les clubs, ce club-là justement, corbez-moi le nom de la ville. Ici c'est le MMA Factory Team Silencieur, c'est Johan Segas qui est le patron d'ici, et voilà, on peut peut-être un peu en parler. Moi je m'installe sur la région en étant pour parler, pour monter la section Lutte à livrer Nogi ici comme fief. Moi j'ai une équipe que j'ai créée cette année en IBJJF qui sera Ilkins. Et on va commencer sûrement à construire quelque chose d'ici. Moi, je viens m'installer ici surtout pour la nature, pour me ressourcer. Et j'ai 40 ans, donc je vais chercher l'énergie dans autre chose. Et voilà, l'océan, la mer et tout ça. Et je pense qu'on va organiser pas mal de bootcamps et que tout le monde vienne s'entraîner. Ça va être un peu le but d'ici. Moi, je vous invite à venir. Il y a un gros niveau ici. Puis c'est vrai que la région est très très belle, donc je comprends ton envie de... Ouais, belle région. Il y a Luc Russo aussi au club Grasse-Eligan, c'est la team d'Oberman. Luc Russo avec Paul, Gaëtan. Rousseau. Je dis Rousseau, ouais. C'est un sacré niveau aussi. Ferai une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo avec ce gars-là aussi, vous le connaissez pas, mais j'ai fait une vidéo avec Anthony Rod sur les clés de jambes en extension, là, avec Luc Rousseau, les clés de jambes en rotation, c'est un animal le mec, donc tu lui donnes ta jambe, puis tu en fais des bretzels, donc j'ai envie d'apprendre aussi à mettre les jambes des adversaires en bretzels. Ouais, et juste pour en parler un petit mot de Luc Rousseau, moi j'avais fait finaliste à l'ESC Europe il y a 4 ans, il avait été aussi finaliste et c'est une catégorie au-dessus plus lourd. Et on se rejoint parce qu'en plus on est en opposition de style, moi je travaille sur le haut du corps, lui il travaille sur le bas du corps. Quand on tourne tous les deux, c'est vraiment très équilibré, c'est vraiment un bon travail, c'est un super gars, en tout cas qui n'est pas assez connu en France, qui peut poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Bah pour l'anecdote, Luc, je veux faire une vidéo avec lui, on fera une vidéo avec lui. C'est promis les gars, il m'avait croisé sur la plage, il m'avait demandé le petit selfie et tout. Puis voilà. Ah oui, t'as une short pride. Oui, moi j'étais comme ça et tout. Enfin, je l'ai pas fait, mais t'as compris. Ben. C'est bien, c'est bien. Fais-moi un bisou, vas-y, embrasse-moi. Après, je suis allé tourner avec lui. Raka ! Je suis reparti, j'avais des larmes de sang quoi. Super fort, super fort. Avec lui, je ferai du MMA aussi, donc j'espère que ça ira mieux mon bras. Peut-être qu'un jour on fera du MMA avec Thomas, on sait jamais, pour le kiff aussi. Et dernière chose, deux choses encore. Sur une surface comme ceci, grande, j'ai mon avantage. Parce que si je fuis, c'est un peu ce que j'ai fait, si je fuis le combat, il va devoir me pourchasser. Sur un ring, plus la surface est réduite, et plus le lutteur sera à son avantage. Parce qu'il aura moins de distance à casser pour venir au corps à corps. Donc prenez ça aussi en compte. Sur une surface plus petite, je serai tombé beaucoup plus vite. Et puis en MMA, on ne sait pas. Mais voilà, de toute façon, les arts martiaux, c'est une grande famille. Tout ce qui est bon à prendre, on le prend. C'est le MMA, c'est le pragmatisme. Ça, c'est bien, je prends. Ça, c'est pas bien, je ne prends pas. Et les mecs de la self-défense aussi, on aime bien. Parce qu'on est des combattants du ring. La rue, c'est pareil, il faut pouvoir y aller. Et puis aussi, vous faites des combattants. Quand il t'arrive des malheurs, donc voilà. Mon bras qui pète, c'est pas grave. J'ai profité du confinement pour me renforcer. J'ai pas été chouiné dans mon lit à prendre des bières. Non, je suis retourné au travail et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer Thomas et pour moi, c'est un grand honneur. Donc, n'oubliez pas, les gars, les sponsors, on se réveille, les sponsors, on fait la petite cloche, les sponsors, on va sur Instagram. Thomas Louberzane, s'il te plaît, on veut donner de l'argent pour que tu portes ma marque sur ton Luc.
C'est ça les sponsors. Et vous, vous tapez? Non, non, vous tapez. S'il te plaît, Thomas, déjà réponds-moi, s'il te plaît. Je veux te sponsoriser. T'as compris le sponsor? Et puis peut-être que monsieur Louberson, San, se fera l'honneur de te répondre. Puis après, on va monnayer un peu. Parce que le mec, il a dédié sa vie à ça, sans même comment ça paye. Ok? Voilà, ça c'est le maître des lieux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le MMA Factory. Voilà. On va vous mettre les coordonnées, on vous mettra aussi son Instagram. Donc pareil, il sourit à nouveau. Il sourit plus. Comédien, Luc Besson. Tu tapes son Instagram, on te le met ici. On met le sien ici. Merci Karate Bushido, on se retrouve très vite. Le pouce bleu, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour encore des grands moments de d'arts martiaux et de sport de combat. A bientôt. Merci Greg. Retour maison. Là je vais tourner le dos. Hop, allez, à la maison, à Paris, ici, monsieur, c'est la côte basque. Allez. Voilà, merci Greg MMA, Karate Bushido, merci. On vous le renvoie.